Est-ce que je préfère Babou ou Liné? Babou. Étrange, vous réapparaissez justement aujourd'hui. Voilà, merci pour l'explication, Nox. Nous avons aidé les habitants à fuir la ville à pied. C'est risqué d'aller au labo de mon père, par les vieux canaux. Nous sommes enfin sur le point de trouver une nouvelle voie. Par contre, si tu pouvais éviter de bloquer la voie, ce serait bien. Allez, je vous offre un verre. Ah, une bière, s'il vous plaît. Réserve privée du Dr. Wynne, j'avais jamais fait attention. Oh, et au fait, ravi de vous rencontrer enfin. Oh ? Pourquoi j'ai une pointe en progression de succès, chercheur lambda ? Ah, faut que j'aille voir le détail, ça. Chercheur lambda, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, d'accord. Trouver toutes les caches lambda dans Half-Life 2. Ok. Et voilà, donc le scientifique à qui on a parlé il y a quelques minutes, il est là ! Satané bestiole ! Où est-il passé ? La mare ! Sors de là ! Oh, tout va bien, Dr. Kleiner ? Oh, bonjour, Alix. Ça va presque bien. La mare s'est encore enfuie de sa caisse. Si je m'écoutais, je soupçonnerais Barney d'avoir... Bon sang, Gordon Freeman, c'est vraiment vous, n'est-ce pas ? Non, c'est John Cena ! Un fauteur de trouble, non ? Pardon. Nous devons beaucoup au Dr. Freeman. À votre santé. Même si les ennuis le suivent comme son ombre. Et attends, je vais voir si je peux tenter un petit glitch pour le Lulz. Est-ce que je peux embarquer un truc ? On va voir. Non, je peux pas prendre, y'a pas un bouquin. Le mérite de ce progrès ne me revient pas, Alors là, j'en sais rien du tout, Flash, j'en sais rien du tout. Je peux même pas prendre un truc pour tenter mon glitch à la con. Il ne peut pas rester ici, Doc. Ça mettrait tout votre travail en danger. Vous en faites pas, il vient avec moi. Exact, Barney. Le 2... Ah, d'accord, ben... Ça dépend combien de temps on arrive à le terminer. En fait, pour le début, je me demande si je ferais pas un chapitre, un épisode, mais après, les chapitres durent une heure et demie, ça fait des épisodes relativement longs. Après, c'est pas une mauvaise chose de procéder comme ça. Quel chat ? Puisqu'il ne sort pas, il peut quitter ses habits civils. Quoi ? Ah bon sang ! Oh, c'est vrai, j'ai failli oublier. Barney, à vous l'honneur. Et John Cena, le vrai au tous les jeux. Est-ce que je connais The Kairi 78 ? J'ai entendu parler de ce monsieur, ça s'arrête là. Ah bah voilà, je peux prendre un truc là. Attends, je vais tester un truc. C'est en fait ce que je m'éclate à faire avec les bouquins, c'est qu'il y a un petit glitch. Si vous arrivez à placer le truc sur la tête du péon au bon moment, vous pouvez le téléporter de quelques d'une petite part de quelques mètres. N'ayez crainte, Gordon. Sans son bec, il est inoffensif. Au pire, il risque de s'accoupler à votre tête. En vain, bien sûr. Ok. Hashtag speedrun strat, oui c'est ça. Viens, mon petit. J'avais déjà réussi à le faire une ou deux fois pour le Lulz. Non, non. Attention, et puis c'est marrant, tu donnes l'impression que pendant que les péons y parlent, tu leur mets des coups genre allez plus vite là. Il me faudra au moins une semaine pour le faire sortir de là. Ouais, un peu plus si on a du bol. Sinon je peux récupérer ma combinaison. Vous n'aimez pas les animaux ? Bah après encore une fois Flash, ça dépendra de la longueur du chapitre, c'est sûr que si le... Oh, et on a Mohamed qui suit la chaîne, merci. Après, ça dépendra vraiment de la longueur du chapitre, évidemment. Si un chapitre fait 15 minutes, je le fais en un épisode, mais si un chapitre fait 1h30, je le ferai en 2 ou en 3, ça c'est sûr. C'est de toute façon, rien n'est entériné pour l'instant. Voilà. Maintenant, on a notre combinaison. Puis on va la charger tout de suite, on a un appareil qui permet de faire ça. Est-ce que j'ai vu le match J'ai pas vu. Et honnêtement, ça m'a pas intéressé. Je sais juste que c'est Mayweather qui a gagné, à part ça. Le modèle 5 de la combinaison voilà. Pour environnement. C'est tout ce que j'en sais. A été repensé en termes de confort et de fonctionnalité. Waouh. Mon dieu. On n'a pas le temps. Pendant ce temps, on commence le boulot. Genre. Allez, plus vite, Doc, plus vite. Ça marchera pas, je crois. Ah, si ça se trouve, c'est peut-être le nouveau moteur ou ce genre de truc qui est plus trop possible. Ce qui est un peu ballot. Ah oui, puis vous remarquez aussi qu'il y a de la puissance auxiliaire. La torche consomme de la puissance auxiliaire. Courir consomme de la puissance auxiliaire. Et nager sous l'eau aussi. Allez. Et bunny hopping, les bitches!
Ouais. Gordon, moteur d'épisode 2 Portal 2. D'accord. Et attendez mes consignes. Isaac, tu es là? Oui. Ah, oui, bonjour. Ça bloque un peu de ce côté. Vous ne devinerez jamais qui est arrivé dans notre labo ce matin. Ce n'est pas la personne à qui je pense. Effectivement. Et nous comptons vous l'envoyer sur le champ en compagnie de votre charmante fille. Tu es prêt, papa? On est tous prêts ici. Oh, bonjour. Alors allons-y. Voyons. Le flux du champ sans masse devrait s'autolimiter. J'ai bloqué les paramètres du collecteur sur base CY et Orbifold LG. Est-ce que je pense que le 3 sortira un jour? J'ai envie d'y croire. Mais au vu des fuites très récentes du scénario de l'épisode 3, je suis pas très optimiste. Parce qu'à mon avis, pour que l'ancien de chez Valve balance le scénario de ce qu'aurait été l'épisode 3, c'est j'ai peur que ça ne signe l'arrêt de mort de Half-Life, malheureusement. Bon, au moins, on saurait ce qui s'est passé. Mais après, le problème, c'est que Valve ne communique rien par rapport à ses jeux, donc techniquement... Ah, merde, il y a toujours que j'intervienne. Techniquement, le 3 a toujours une chance de sortir. Mais elles sont relativement faibles. Oui, voilà, je pense que c'est plus la communauté qui fera quelque chose à ce niveau-là. Sinon, les jeux que tu fais style Pokémon Zelda, tu les as déjà fait... qu'est-ce que tu veux dire exactement par cette question, Flash? Est-ce que tu veux dire que, par exemple, les jeux que je fais actuellement style Half-Life 2, est-ce que j'ai déjà fait avant? C'est ça que tu veux savoir? Wow! Et je vais devoir aller là-dedans, mais vous êtes tarés! Ah oui, maintenant on peut zoomer. Ça a marché? Vous voyez par vous-même. Plus dur? Et Doc? Oh, Dieu merci. Mon soulagement. Bah écoute, T-Will, je sais pas, mais je sais que c'est toi qui vas sortir pendant quelques temps. Si un modo pouvait agir à ce niveau-là, s'il vous plaît. Freeman m'a bien épaulé. Continuons. Et donc Gordon a passé. Exactement. Je vous retrouve dans quelques instants. Bien jure. Joué, Gordon. Déjà enclenché le bouton? Ça sert d'avoir un diplôme d'ingénieur. Ouais, j'ai fait 8 ans d'études pour ça. Cool, merci. Gordon, dès que vous êtes prêt, nous vous enverrons chez vous. Allez, c'est parti. Pas trop tôt. Je veux dire, ça s'est pas bien passé avec madame, ça devrait aller avec monsieur, excellent. Non? Initialisation dans 3, 2, 1. Pardon, auriez-vous l'obligeance? Bonne chance, Gordon. Merci, monsieur. Nous sommes prêts à vous propulser, Gordon. Yeah! Me dire, qu'est-ce qui pourrait mal se passer, sérieusement? Séquence finale. Qu'y a-t-il? C'est votre bestiole, le suceur de tête! Ah! Eddie, non! Oh, évidemment! Oh! Oh, bonjour! Ah, je suis là! Hé, je suis là! Il traverse, papa! Oui, mais Sunshine, je l'avais déjà fait, Metroid Fusion aussi, Half-Life 2 aussi. La plupart des jeux que je fais, là pour l'instant, y a, Appareil Volant 2, il n'y a pas eu beaucoup de découvertes. Non, toujours pas, Wabla. Malgré le live de la semaine dernière, toujours pas. Oh, bonjour monsieur. Excusez-moi, je cherche la gare routière, s'il vous plaît. Ah 380, je crois. Derrière vous. Mesure ? Éteignez-le, éteignez-le. Non, moi je me barre, hein. Je me barre. Allez. Ah ! Et ben voilà, maintenant on va se marrer. Maintenant j'ai la combinaison. Je peux faire des trucs. Non, ça j'ai complètement oublié. Voilà, ça m'est complètement sorti de la tête. Hop. Hop. Oui. Jeu d'aventure ou jeu d'action? C'est deux genres que j'aime beaucoup. Après, en fait, je les aime pour des motifs différents. La citadelle est en alerte. Le jeu d'aventure, parce que avec le côté exploration, alors que les jeux d'action, bah, c'est justement parce que tu peux taper, foncer dans le tas. Et quand un jeu combine les deux, comme le fait Zelda par exemple, moi je suis aux anges. Je peux pas venir, je dois m'occuper du docteur Kleiner. Ok. Oh, et avant que j'oublie, vous aviez perdu ça à Black Mesa. Ouais, pied de biche! Bonne chance, mon pote, il vous en faudra.
Non, c'est bon, t'inquiète, Wabla, t'inquiète, tout va bien. Ah bon? J'ai vraiment fait ça, Brian? Bah, je veux dire, je sais que je t'ai dit que Samus était une fille, mais quand même. D'ailleurs, je pensais pas que ça aurait un tel impact. Attends, maintenant on a la meilleure arme du jeu. Un pied de biche! Et puis ce qui est pas mal, c'est quand tu tapes, tu peux en faire un pied de biche. Regardez comme c'est puissant. Bon, par contre, j'aimerais bien un flingue. Ce serait cool. Voilà, parce que maintenant, il faut se barrer. Hop! Arr, merde, je sais plus c'est par où. Ah bah, c'est par là-dedans, probablement. Oui! Et Rishon Jackson suit la chaîne, merci! Allez hop. Oh punaise! Ah bah, c'est justement le train que je voulais pour Paris! Non, vous allez pas à Paris? Et bien sûr, le champ de force pour pas qu'on sorte. Allez. La bout de The Kairi, bon, j'y jetterai peut-être un oeil encore une fois, je ne fais pas de promesses. T'aimes pas beaucoup? Oh bah pourquoi t'aimes pas les jeux? Alors là j'aimerais bien savoir pourquoi, Brian. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Je veux dire, les filles ont le droit d'être les personnages principaux aussi aux dernières nouvelles, non? Là je suis curieux de connaître les raisons. Allez. Bon, parce que je peux avoir un flingue. Parce que les pieds de biche c'est bien, mais les flingues c'est mieux. Allez, on continue.